Vous attendez plus le déballage de cette venue de l'ESXL. Alors, allez. Je la prends. Voilà. Elle est belle, franchement, elle est belle. Alors. Vous voyez, il y a une mousse de protection, là, qui est là. Vous voyez, alors. Vous voyez, là il y a la croix directionnelle et les boutons A, B, X, Y qui sont orange. Là il y a le pad circulaire, les caméras, il y a le bouton power qui est ici, attendez, voilà, qui est ici, la wifi, le voyant de chargement, les micros. Et attendez, cela, il y a une toute petite nouveauté. Enfin, une toute petite, une bonne nouveauté. Moi, il y en a beaucoup qui l'ont critiquée. Moi, je trouve qu'elle est super. Regardez. Wow, c'est dur. Voilà. Et le port cartouche et la micro SD qui est préinstallée. Voilà. Une Lexar 4Go. Attendez, je la remets vite fait. Et c'est difficile hein, les unboxings, il n'y a pas. Surtout avec eux comme ça, dans un téléphone, c'est pas facile. Donc voilà, ici il y a les deux autres caméras, les caméras arrière, L et R, les ZR et ZL. Ici c'est le port, un port infrarouge, ça il sert pas à grand chose, je crois. Là c'est pour charger la console. Voilà, assez adaptateur. Là, il y a tout ce qui est marqué. Là, il y a le stylet. Je vais vous montrer. Qui est très très petit. Il est très petit, mais vraiment. Alors, hop. Là, il y a le port écouteur à côté. Donc, qui est ici. Le port, la prise jack. Il y a ça. Et ensuite, bah, c'est tout. Après, bah, il n'y a plus rien. Ici, il y a le bouton volume. Et après, il y a juste les écrans qui sont très grands, qui sont similaires à un téléphone. Ici, c'est la LED de notification. Ici, c'est le micro. Donc, voilà, je vous laisse. C'était la présentation de la console. Au revoir.